Cette manifestation aujourd'hui sous le titre « Trois leçons sur Hannah Arendt » s'inscrit dans un cycle que nous avons entamé en juin avec une journée consacrée à Hans Jonas, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, et pour laquelle M. Ricoeur nous avait déjà fait l'honneur de sa participation. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette journée à Hannah Arendt avec trois conférences. Maintenant, la conférence de Paul Ricoeur, que je ne vous présenterai pas davantage. Vous savez simplement qu'il a, à la fin des années 60 et au début des années 70, enseignant à Chicago, eu l'occasion à de nombreuses reprises de rencontrer Hannah Arendt, de s'inscrire dans le cercle d'amis qui était organisé autour du Committee on Social Thought, fondé par Hannah Arendt à Chicago à cette époque-là, et que par conséquent, c'est aussi l'amitié, la conversation philosophique personnelle avec Hannah Arendt qui est aujourd'hui accueillie en la personne de Paul Ricoeur. Et par ailleurs, vous connaissez sans doute les articles et en particulier la préface qu'il a donnée pour la condition de l'homme, The Human Condition, appelée en français la condition de l'homme moderne, dans une des récentes éditions françaises. Après quoi, nous aurons la projection d'un film sur Hannah Arendt à l'issue de la conférence de M. Ricoeur. Et puis nous accueillerons en début d'après-midi Robert Legros et puis Alain Finkielkraut à partir de 14h30. Je voudrais vous signaler qu'une bibliographie complète de ce qui est disponible à la Bibliothèque nationale de France, aussi bien rue de Richelieu dans la collection de la salle des imprimés que dans les salles de lecture du site Biac François Mitterrand, cette bibliographie est à votre disposition. Elle sera également sur le site internet de la BNF et disponible dans le département philosophie de la bibliothèque. Nous en avons tiré un peu plus de 300 exemplaires, donc je pense que vu l'audience de ce matin, tout le monde ne peut pas être immédiatement servi. Je vous prie de nous en excuser. Je vous souhaite une bonne journée en l'honneur d'Hannah Arendt et je cède tout de suite la parole à Paul Ricoeur, que je remercie très, très vivement d'avoir accepté d'inaugurer cette journée avec nous. Merci. Je veux dire combien je suis heureux d'être invité ici et de parler de Hannah Arendt, à qui je dois beaucoup pour une meilleure compréhension de l'entrée dans la philosophie politique à partir d'une anthropologie fondamentale. Le sujet que j'ai choisi de traiter, Hannah Arendt après Nietzsche, se justifie ainsi. Je voudrais présenter et discuter les deux paragraphes de Conditions humaines qui terminent la grande section sur l'action. Et ces deux paragraphes sont intitulés Irréversibilité et pouvoir de pardonner, et le dernier sur la promesse, le pouvoir de pardonner, et qui est référé au caractère imprédictible du temps. Alors pourquoi Nietzsche? Eh bien, il m'a paru que, en mettant Hannah Arendt à la hauteur de Nietzsche, nous mettons le livre de Hannah Arendt à sa vraie place. Venant après les essais sur le totalitarisme, Conditions humaines prend du recul par rapport à l'histoire contemporaine et se déplace de l'historique vers le fondamental. Elle s'interroge sur le socle d'humanité sur lequel se brise la prétention des totalitarismes à réinventer l'homme à partir de rien. L'idée de créer un homme nouveau, ben c'est
face à cette prétention qu'elle oppose ce que j'appellerais la dureté du socle d'humanité. À la culture de l'inhumain, elle oppose la reconnaissance de l'humain tout court. D'ailleurs, pourquoi il ne faut pas ajouter l'adjectif moderne à la traduction ? Il s'agit bien de la condition humaine. Et comme je l'avais suggéré dans la préface que j'ai faite à cette traduction, c'est un acte de résistance intellectuelle à toute manipulation de l'humain. La deuxième raison de ce choix, c'est que, aux deux termes de Hannah Arendt, Nietzsche permet d'ajouter un troisième terme qui est l'oubli, et du même coup de donner la dimension temporelle intégrale aux notions d'irréversibilité et d'imprédictibilité. Alors les deux textes de Nietzsche que j'ai choisis sont les deux préfaces, d'une part à De l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie, et d'autre part, le début de la deuxième section de la généalogie de la morale. Ce sont deux textes qui ont affaire à l'oubli, mais comme nous allons le voir, dans des projets différents. En effet, Nietzsche n'offre pas seulement un arrière-plan approprié, mais une dualité d'approche très profonde au phénomène de l'oubli. Dans la deuxième inactuelle, il s'agit du poids de l'histoire dans une culture marquée par l'historicisme, donc qui triomphe en Allemagne depuis Hegel et Ranke. Autre est le problème posé dans Généalogie de la morale. Il s'agit de l'entrée dans la problématique morale la plus générale, marquée par la schuld, par la dette, la culpabilité. Donc, deux problématiques différentes, à deux périodes d'ailleurs différentes de la vie de Nietzsche, séparées par 17 années. D'un côté, la culture historique mise en question, de l'autre côté, la condition de possibilité de la moralité. Donc, s'il fallait faire un parallèle très simplifié, je dirais, sortie d'une culture d'un côté, entrée dans toute culture de l'autre. Et en commun, la dimension historique de la culture et de notre culture. Alors, cette différence de problématique et aussi la distance dans le temps, 17 années, explique la disparité entre les deux traitements de l'oubli qui a fait dire récemment à Hans Weinrich dans son livre « L'été »« Kunst und Kritik des Vergessens » donc art et critique de l'oubli, qu'il s'agit presque de deux auteurs différents. Presque seulement, me permettrai-je de corriger. Alors, dans le premier livre, donc, des inconvénients et de l'utilité de l'histoire pour la vie, c'est dans donc, les termes d'une pratique, d'une techné qu'il est traité de la mémoire et de l'oubli. Utilité, inconvénient. Alors je rappelle le point de départ qui est superbe. Le spectacle d'un animal qui broute, sans dégoût ni souffrance, du test, et qui ne saurait répondre à la question « Pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur ?» Et l'animal ne répondrait que ceci. Cela vient de ce que j'oublie immédiatement ce que je voulais dire. Et Nietzsche d'ajouter,
Mais il oublia aussi cette réponse et resta muet, et l'homme de s'étonner. Et de quoi s'étonne-t-il ? De ne pouvoir apprendre à oublier. Mais oublier quoi ? Eh bien, sa culture philosophique. L'étonnant dans cette culture, c'est que le passé qui n'est plus revient en force comme un fantôme. Et nous connaissons bien cette situation aujourd'hui. Et nous retrouvons là le fantôme évoqué par ailleurs par Marx au début du manifeste du Parti communiste. Le fantôme qui hante l'histoire, le communisme. Mais ce n'est pas une figure culturelle qui nous hante, mais l'être passé du passé dans une culture historique. L'oubli animal est l'oubli d'un être non historique. Et je cite, « L'homme, en revanche, s'arc-boute contre la charge toujours plus écrasante du passé, qui le jette à terre ou le couche sur le flanc, qui entrave sa marche comme un obscur et invisible fardeau. » Et les mots forts sont bien « charge, fardeau ». Souffrance de comprendre trop bien le mot « c'était ». Esvar. Nostalgie du bonheur animal et de son oubli. Mais l'aveu est là, qui jette un pont vers le second traitement de l'oubli, c'est pourquoi je dis qu'il y a un certain lien caché entre les deux textes. Je cite, « Il est absolument impossible de vivre sans oubli. » Alors, si l'on ne peut oublier, comme l'animal, reste la rébellion. La rébellion contre la culture historique. Je cite, « Il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique, au-delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu'il s'agisse d'un individu, d'un peuple ou d'une civilisation. » C'est la marque donc de l'histoire qui est la brûlure, la charge, le fardeau. Reste alors la sortie, si l'on peut dire, par en haut, le non historique, le unhistorisch. S'il est vrai que à tout agir appartient l'oubli, alors l'oubli de l'oubli impossible sera l'oubli possible de l'histoire. Mais un oubli volontaire, un oubli cultivé, un oubli culturel. Eh bien, ce serait un exercice précis de lecture de discerner la contribution chaque fois différente de l'oubli dans les trois formes de l'histoire auxquelles la suite de l'ouvrage est consacrée, histoire monumentale, histoire antiquaire, histoire critique. Chacune peut être en effet considérée du point de vue du tort fait à la vie, et donc de la lutte pour l'oubli, qu'elle permet ou qu'elle interdit. Et au terme de la lutte menée contre, je cite, la maladie historique, contre l'excès d'histoire, reste ce que Nietzsche appelle les antidotes de l'histoire, à savoir les forces, je cite, non historiques et suprahistoriques, et il nomme ici essentiellement la culture, la religion et l'art, rappelant finalement les trois grandes catégories qui terminent la philosophie hegelienne. Ainsi, la suspension de l'historique par l'oubli et la revendication de l'âne historique ne sont que l'envers de la force du présent. Et c'est en ce point que l'oubli redevient condition de l'interprétation du passé. Et c'est par un hymne à la jeunesse
que se termine la considération. Et je le laisse en suspens, ce moment, car c'est en ce point que tout à l'heure, Anna Arendt rejoindra Nietzsche lorsqu'elle célébrera la natalité à l'encontre de l'être pour la mort. Différent est le problème posé par la généalogie de la morale, et donc la place assignée à l'oubli. Je rappelle d'abord que généalogie ne signifie pas genèse, ce serait retombé dans l'historicisme, mais condition de possibilité à déchiffrer dans des signes et dans des symptômes. Donc, comme plusieurs critiques l'ont montré, généalogie, au sens nietzschéen, marque une union étroite entre la sémiologie, donc critique textuelle, et la nosologie, traitement médical des symptômes, interprétation médicale des symptômes. En ce sens, nous nous rapprochons de ce rapport entre le fondamental et l'historique. Je dirais la symptomatologie du fondamental dans l'historique, par lequel je caractériserai dans un moment conditions humaines. Signe et symptôme du fondamental anthropologique dans l'historique. Donc, telle est l'épistémologie nietzschéenne. Eh bien, avec la deuxième inactuelle. La question était d'une certaine sortie de l'histoire par l'âne historique en direction de la vie qui pousse, en direction du streben, de l'effort, de l'élan. Avec généalogie de la morale, c'est l'entrée dans l'histoire par une herméneutique rétrospective qui refait le chemin qu'elle défait. Et comme il est question dans l'article 2 de nos préjugés moraux, le mot origine revêt du même coup non seulement un sens éventuellement curatif, mais d'abord polémique, et curatif parce que polémique. C'est d'ailleurs le sous-titre, la deuxième de la généalogie de la morale, écrit polémique. Alors, je m'attacherai au début de la deuxième dissertation, qui est intitulée « Sur la faute, la mauvaise conscience et ce qui leur ressemble ». Ce début est aussi fracassant que celui du précédent essai. Je cite, élever un animal qui puisse promettre, n'est-ce pas là cette tâche paradoxale que la nature s'est donnée à propos de l'homme? N'est-ce pas le problème véritable de l'homme? Que ce problème, je continue la citation, que ce problème soit résolu dans une large mesure, voilà qui ne laissera pas d'étonner. Donc, étonnement, ici, comme tout à l'heure, ne laissera pas d'étonner celui qui sait bien quelle force s'y oppose, la force de l'oubli. Voilà donc la promesse dressée contre l'oubli. Mais alors, qu'est-ce que cet oubli? Quel oubli? L'oubli, à son tour, n'est pas tenu pour simple inertie, mais comme, je cite, une faculté d'inhibition active, une faculté positive dans toute la force du terme. Fin de citation. La promesse figure alors dans la généalogie de la morale comme une conquête de deuxième degré, conquête sur l'oubli, lui-même conquis sur le mouvement de la vie, l'agitation de la vie. Je cite. Voilà
l'utilité de l'oubli actif, comme je l'ai dit, sorte d'huissier, gardien de l'ordre psychique, de la tranquillité, de l'étiquette. Oubli actif, donc, appareil d'inhibition, et cet oubli est donc déjà humain, trop humain. Il n'a donc plus rien à voir avec l'oubli bovin du ruminant du précédent essai. Une sorte d'huissier, je répète, gardien de l'ordre psychique, de la tranquillité, de l'étiquette. Eh bien, c'est à l'encontre de cet oubli-là que travaille la mémoire. Mais non pas n'importe quelle mémoire, non pas la mémoire gardienne du passé, non pas la mémoire remémoration de l'événement échu, du passé révolu, donc non pas la mémoire mémorisation des récitations par cœur, ni non plus des commémorations, mais, je cite, la mémoire de la volonté. La mémoire de la volonté. Celle par laquelle l'homme peut tenir ses promesses. Cette mémoire consistant à se maintenir, mémoire d'ipséité, dirais-je, mémoire qui, en réglant le futur sur l'engagement du passé, rend l'homme, je cite, prévisible, régulier, nécessaire. Et ainsi, capable, je cite, de répondre de lui-même comme avenir. Voilà donc les mots clés, mémoire de la volonté, qui rend un homme prévisible, capable de répondre, donc qui peut promettre. C'est là, selon Nietzsche, la genèse de l'idée, la genèse idéale, la genèse, on peut dire, transhistorique ou omnihistorique, de l'homme autonome, souverain, maître de la volonté libre. Alors, tombe dans ce discours en apparence lisse, confiant et lui-même fiable, vient le mot sinistre. Sinistre, lugubre affaire, dit-il. Lugubre affaire, marquée par l'introduction du mot conscience. L'allemand n'a pas, comme le français, un seul mot pour conscience, distingue Bewusstsein, donc la conscience psychologique, et Gewissen, la conscience morale. Il s'agit bien de Gewissen, la conscience morale. Alors, la généalogie de la morale peut commencer par simple glissement de sens du Gewissen, de la conscience, à la mauvaise conscience, cet autre lugubre affaire, dit Nietzsche. Donc, de promesse, nous sommes passés à responsabilité, de responsabilité à conscience, de conscience à mauvaise conscience, et de mauvaise conscience à schuld, dette, faute, culpabilité. Sinistre affaire, en effet, qui du souverain fait un débiteur, un endetté. Et pour le regard critique, celui du polémiste déclaré, c'est au cœur du rapport contractuel entre créancier et débiteur, je cite, c'est là précisément que l'on promet. Bon, la promesse type, la promesse, on peut dire, archétypale, c'est la promesse de payer ses dettes. C'est là que, précisément, il s'agit, je veux dire, de faire une mémoire à celui qui promet, donc de lui donner une mémoire. Donc c'est l'éducation par la brutalité de la culture de dresser, c'était le mot premier, un animal
de la promesse. Donc un animal capable de se situer par rapport à la dette comme un débiteur sans fin. Là précisément, là précisément, il est permis de penser qu'il y a une mine de dureté, de cruauté, de douleur à découvrir. Mais c'est là aussi que Hannah Arendt s'éloignera de Nietzsche. Non pas qu'elle ignore la dite dureté, cruauté et douleur, mais parce qu'elle ne va pas lier la promesse à une conquête sur l'oubli, même actif, mais sur une autre menace intime à l'action humaine, l'imprédictibilité du temps. Ici, la cruauté n'est plus de notre fait, elle n'est plus de notre côté à nous qui nous lions, mais du côté du temps qui sans cesse nous délie. Mais j'anticipe. J'anticipe car il y a un ordre obligé dans l'analyse des paragraphes 33-34 de Conditions humaines. Il faut d'abord être passé par l'iversibilité et le pardon, et donc, d'une certaine façon, par l'antithèse de la Schuld, par la guérison de la Schuld, pour entrer dans la problématique de la promesse. C'est là où j'ai pensé qu'une lecture préalable de Nietzsche donnait peut-être plus de force au texte de Hannah Arendt en montrant le chemin qu'elle n'a pas pris et le passage par le pardon réplique au passage par la Schuld, par la dette, la faute, la culpabilité de Nietzsche. La promesse est au bout de ce chemin et non au commencement comme avec Nietzsche où c'était la mémoire de la volonté. Eh bien, ce déplacement, voire ce renversement, est inséparable de la conquête d'une autre problématique qui n'est pas entièrement opposée à Nietzsche, mais néanmoins lui est irréductible. C'est celle de la fragilité de l'action. Et donc du caractère problématique de ce que Hannah Arendt appelle la continuation de l'action. Et en effet, les deux caractéristiques de la menace du temps, imprédictibilité et irréversibilité, ont affaire à la continuation de l'action. Donc un mot sur action. Enfin, l'action, c'est une grande catégorie chez Hannah Arendt. À la fois, c'est une catégorie globale, c'est l'opposition entre la via pratica et la via theoretica. Bon, c'est un choix général d'une philosophie pratique, fondamentalement pratique, et non pas spéculative, quoique on pourrait dire qu'elle fait la théorie de la pratique. Bon, c'est une discussion avec elle. Et à l'intérieur de cette grande catégorie, de cette méta-catégorie de la via pratica, nous avons la triade bien connue, labeur, œuvre, action, et qui, toutes les trois, ont affaire avec, ont un rapport différent au temps. Le labeur crée des choses qui sont consommées, donc détruites. L'œuvre demeure après sa production, c'est l'œuvre d'art, c'est le monument, mais il peut être effacé par des cataclysmes naturels et par l'oubli des hommes. Reste alors l'action, mais l'action n'a d'autre sûreté, d'autre garantie que sa propre continuation, de continuer
à agir, c'est agir. Nous avons donc là la triade de base de la vie active. Et c'est ce que j'ai essayé de dire au début, dans une perspective qu'on peut dire largement anthropologique, à la jointure du fondamental et de l'historique. Ça pose d'ailleurs un grand problème de savoir ce qui l'emporte dans ce livre de l'historique et du fondamental. Et mon propre pari, c'est que les exemples historiques, très souvent on a essayé de l'enfermer dans la... Dans la Grécité, il y a beaucoup de références à la Grèce, et aussi à Rome, mais il y a un grand parcours historique qui lui permet, au fond, de joindre la cité grecque avec les expérimentations du communisme anarchique, mais précisément parce qu'elle est capable de se mouvoir librement dans l'historique, dans la mesure où c'est une grande symptomatologie du fondamental. Enfin, c'est ma lecture. La problématique de l'action, de sa temporalité fragile. Alors, je dirais que, au moins par le point de départ, ce n'est pas face à Nietzsche que Hannah Arendt se situe, mais face à Heidegger, lequel a bien certes une catégorie du souci, et qui est temporelle par... analytiquement, je dirais. C'est même la structure maîtresse de l'ontologie du désir et du temps, mais il n'a pas de catégorie de l'action. Et je pense que c'est là que Hannah Arendt fait différence avec Heidegger. Une philosophie de l'action n'est pas la même chose qu'une philosophie du souci. Pour deux raisons. D'abord parce que une philosophie du souci est marquée dès le début par le caractère dissimulé et non pas public, comme nous allons le voir, l'action. Et dissimulé pourquoi ? Parce que son sens est toujours en retrait, à savoir d'être marqué par la mort. Mort incommunicable, qui ne peut donc générer au plan politique qu'une communalisation désespérée de l'héroïsme, donc une communalisation dangereusement héroïque. D'emblée, d'un seul trait direct, là, le souci est face à la mort. Et la rupture que Hannah Arendt fait par rapport à Heidegger, c'est de se placer d'emblée dans un espace de visibilité publique, où l'action expose son réseau, sa toile. Elle emploie d'ailleurs le mot web, relationships, le tissu, la toile de relations et d'interrelations. Parler, agir, cela se passe d'emblée dans l'espace visible, dans l'espace public d'exposition de l'humain. L'homme est exposé par son action. Et cela directement, sans transposition de l'intimité à la publicité, de l'intériorité à la socialité. Ici, je ferai à penser à la catégorie de la pluralité humaine est primitive. C'est un concept primitif, au sens que Mann de Biran donnait à ce terme. Alors, pourquoi passer par le pouvoir de pardonner pour atteindre celui de promettre ? Eh bien, en raison de ce que Arendt appelle, je cite, la faiblesse, weakness, la faiblesse intrinsèque de la pluralité. En effet, la fragilité des affaires humaines ne se réduit pas au caractère périssable, mortel, d'entreprises soumises à l'ordre impitoyable des choses, à l'effacement
physique des traces, pourvoyeur de l'oubli définitif, ce péril, l'homme le partage avec les bêtes. La fragilité des affaires humaines tient au caractère d'incertitude qui s'attache à l'action sous la condition de la pluralité. Et cette incertitude doit être rapportée, d'une part, à l'irréversibilité qui ruine le vœu de maîtrise souveraine sur les conséquences de l'action, d'autre part, à l'imprédictibilité qui ruine la confiance dans un cours attendu d'action, donc qui ruine la fiabilité de l'agir humain. Eh bien, voyons de plus près comment s'enchaînent pardon et promesse, comment ils ripostent d'une part et de l'autre à la faiblesse intrinsèque de l'action, mais surtout comment ces deux catégories s'enchaînent, car c'est dans cette connexion que le rapport à Nietzsche se détermine. C'est en termes de rédemption que le paragraphe 33 parle du pardon. Pourquoi ? Parce que l'imprédictibilité, caractère général de la temporalité, a pour effet pervers dans l'ordre des affaires humaines l'incapacité de défaire ce qui, une fois, a été fait. Et irréversible doit recevoir un autre nom dans les affaires humaines. Irréversible, c'est toute temporalité à l'égard des choses physiques et vivantes et humaines, mais ce qui est proprement humain dans l'action, c'est l'irrévocabilité. Et ici, je marque en passant un étonnant parallélisme entre Hannah Arendt et Jean Kelevitch dans son livre L'irréversibilité et la nostalgie. Et je salue en particulier cet admirable chapitre 4 de Jean Kelevitch intitulé L'irrévocable. Eh bien, c'est bien de cela que Hannah Arendt parle sous le titre de l'irréversibilité. L'irréversibilité dans l'ordre humain, c'est l'irrévocable, c'est-à-dire l'impossibilité de dénouer, de délier, de défaire ce qui, une fois, a été fait. Le pardon, en ce sens, c'est l'acte qui défait ce qui a été fait et reste fait. Mais que signifie défaire ? Ce n'est pas faire que ce qui a été fait n'ait pas été fait, cela, en ce sens, reste irrévocable, mais c'est être délivré des conséquences de ce que nous avons fait, autrement dit, du poids des actes. Et c'est là où nous recoupons Nietzsche, avec l'idée de poids, de fardeau. Mais ce fardeau, justement, c'est un fardeau de l'action, d'une catégorie de l'action. Nous délivrer des conséquences de ce que nous avons fait, c'est le poids des actes, non leur factualité, mais leur nocivité, pour rester dans le langage nietzschéen, leur puissance maléfique de lier, d'enchaîner, comme un spell, dit-elle en anglais, comme une malédiction, rivant à un seul acte indéfiniment répété. C'est donc la hantise. C'est donc la hantise prise de l'irrévocable. Donc, si le pardon a un sens, c'est celui de délier ce que l'irrévocable ne cesse indéfiniment de lier. Donc, lier, délier, telle est la dialectique. Alors, sommes-nous absolument éloignés de Nietzsche, de la Schuld et de sa cruauté ? Mais alors que Nietzsche dérive la faute, la culpabilité, la Schuld, de la promesse,
à travers, nous l'avons vu, le Gewissen, la conscience et la mauvaise conscience, la Narette voit une fonction distincte au pardon, une fonction indépendante de la promesse, et qui même, au contraire, va conditionner la promesse. En effet, si la promesse, comme nous allons voir, nous lie, c'est à la condition de pouvoir se délier. Je dirais que seul un être qui peut être délié est un être qui peut se lier, justement d'une autre façon que par le poids des actes, mais par un acte de se lier, réplique et grâce, je dirais, d'avoir été délié. Pour nous, lier en avant de nous-mêmes par la promesse, il faut avoir été délié en arrière de nous, du passé, condamné à hanter le futur. Alors, ici, on objectera, et Hannah Arendt assume l'objection, on objectera qu'on introduit une grandeur religieuse dans une philosophie de l'action. Hannah Arendt ne le nie pas, mais c'est pour affirmer la destination ultimement politique du pardon. Et, en effet, des actes comme ceux de Willy Brandt, s'agenouillant à Varsovie, au pied du mouvement juif, lui donnent raison. C'est en effet dans une structure universelle de l'action que s'enracine la faculté de pardonner, réplique à l'irréversibilité, elle-même condition d'irrévocabilité. Rédemption, oui, mais de l'irrévocable, figure humaine de l'irréversibilité. Et c'est en ce sens, dans le royaume des affaires humaines, je cite son expression favorite, the realm of human affairs, qu'il y a de irrévocable. Si donc c'est Jésus de Nazareth, dit-elle, qui a découvert le rôle du pardon, ce sont aussi les Romains qui lui ont assuré une inscription politique avec leurs principes éminemment politiques, parcere subjectis, épargner les vaincus, les soumis. Sagesse ignorée des Grecs, déclare Hannah Arendt, qui, on ne peut pas lui reprocher, ignorait les règles de l'amnistie portées au jour récemment par Nicole Loro dans ce merveilleux livre « La cité divisée ». Mais il n'y a pas que la commutation de la peine de mort pour faire écho au précepte évangélique. Aussi bien, dit Hannah Arendt, Jésus n'a pas dit à l'encontre des scribes et des pharisiens que seul Dieu a le pouvoir de pardonner, puisqu'il est dit « comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ainsi, le pardon est en un sens d'abord à notre charge, comme devoir de pardonner pour avoir le droit de demander d'être pardonné. Ce que le pardon interrompt ainsi, ce n'est pas seulement l'enchaînement des actes, mais aussi son propre contraire, la vengeance. Donc, l'autre ligne de rupture avec Nietzsche. Vengeance, dit-elle, réaction première et spontanée au tort subi. Donc, vous entrez dans la catégorie, dans la faute à l'envers, non pas par la faute commise, mais la faute subie. Comme tort, le tort subi. Je remarque en passant qu'il y a là un certain bouger dans l'analyse de Arendt, qui donc est passé de l'irréversibilité à l'irrévocable, de l'irrévocable donc au pardon donné et demandé, et donc de l'acte de délier, mais elle a rencontré, on peut dire en cours de route, la vengeance. Et elle côtoie
du même coup, un autre abîme qu'elle connaît, puisqu'elle le nomme, qui est celui de l'impardonnable. Autre réplique à l'irrévocable, bien familière à Jean Kelevitch. Et elle touche juste, me semble-t-il, en suggérant que, je cite, « les hommes ne peuvent pardonner ce qu'ils ne peuvent punir, mais aussi ils ne peuvent punir ce qui s'est révélé impardonnable. » Je dis donc qu'elle a côtoyé là une problématique de l'impardonnable, en quelque sorte une limite au pouvoir de pardonner. Elle se borne à dire, je cite, « c'est là un élément structurel dans le règne des affaires humaines, donc qu'il y ait de l'impardonnable. » Et ce que la méditation côtoie ici, c'est le mal radical kantien, ce que, pour citer quelqu'un d'autre encore, ce que Naber appellerait l'injustifiable. Alors, je ne suis plus sûr, au terme de ce paragraphe, qu'il s'agisse très exactement de la même chose sous le signe de l'irréversibilité de l'action, irrévocable, pulsion de vengeance, impardonnable. Mais peut-être fallait-il côtoyer, pour reprendre le même terme, ces abîmes de l'action. Alors, pour restituer à la promesse, catégorie commune à Nietzsche et à Arendt, sa propre gravité. Ce n'est que qui a, ce serait le sens profond de ces, de la liaison de ces deux problématiques, la problématique du pardon, la promesse, il faut avoir vu les abîmes côtoyés par la problématique du pardon pour ne pas entrer trop légèrement, entrer avec gravité dans la question de la promesse. En retour, je suggérerais que c'est la promesse qui assure la réinscription du pardon dans la dimension politique. Car si le transfert de l'amour, dit-elle, à la sphère de la filia politique, selon Aristote, est possible, c'est dans la mesure où il y a une sorte de choc en retour de la promesse sur le pardon. Mais c'est le pardon par son caractère mutuel. Nul ne peut se pardonner lui-même, rappelle Hannah Arendt, par son caractère mutuel, que le pardon arrache la promesse à une sorte de relation privée de soi à soi, une relation de constance, et la réoriente vers l'espace politique de la pluralité humaine. Eh bien, en s'attaquant à la promesse, dans le dernier paragraphe du chapitre sur l'action, Hannah Arendt est bien consciente de pénétrer sur un territoire nietzschéen. À cet égard, la note sur Nietzsche est importante, quoique pas parfaitement convaincante. Certes, dit-elle, Nietzsche a bien vu le lien entre souveraineté et pouvoir promettre, ce que nous avons vu tout à l'heure, ce qui l'a conduit, je cite, à une intuition exceptionnelle concernant le lien entre fierté humaine, proud, et conscience humaine. Malheureusement, ajoute-t-elle, ces deux intuitions sont restées sans lien et sans effet sur son concept majeur de volonté de puissance. D'où, ajoute-t-elle avec peut-être quelque injustice, la négligence des spécialistes de Nietzsche à l'égard des aphorismes de la généalogie de la morale. Et sans doute, aujourd'hui, aucun spécialiste de Nietzsche ne serait d'accord. Mais, à la vérité, Hannah Arendt n'a pas besoin de cette petite polémique avec Nietzsche pour rencontrer Nietzsche, parce que elle vient d'ailleurs que de la problématique de l'oubli. Et c'est ça que je voudrais dire. C'est que si c'était la problématique de l'oubli qui conduisait à la promesse chez Nietzsche, c'est la problématique du pardon
qui conduit à la promesse, c'est-à-dire justement une forme supérieure d'oubli. Donc il y aurait, on peut dire, une sorte de prolongation de la problématique nietzschéenne de l'oubli dans celle du pardon, mais où l'oubli n'est plus ni l'oubli du ruminant, ni l'oubli de la tranquillité, comme disait le fameux huissier de l'âme, mais l'oubli superactif de l'acte de délier celui qui est lié. La capacité de se délier vient alors occuper la place de l'oubli, de la génie, de la morale. Et c'est bien pourquoi, me semble-t-il, l'oubli n'est pas nommé, mais seulement l'imprédictibilité de l'action. Imprédictibilité d'action. Nous sommes ici sur un terrain mieux jalonné par la philosophie politique. Alliance d'Abraham, droit romain, pacta sunt servanda, et donc toute la tradition du contrat, qui est en somme une grande tradition de la promesse fondatrice du lien humain. Alors, l'imprédictibilité affecte les affaires humaines, l'imprédictibilité qui est donc un caractère général du temps et qui frappe aussi bien donc la physique, la biologie, la psychologie et la sociologie, mais elle entre dans le politique sous la forme de la non-fiabilité. La non-fiabilité. À quoi va répondre exactement comme le pardon répond. Contemporaine de la fonction de la promesse. À cet égard, les pactes, les contrats, les alliances découpent dans une mer d'insécurité, je la cite, des îlots de prédictibilité, des guides de fiabilité. Alors, le véritable écho à Nietzsche, au Nietzsche de la deuxième intempestive, je le trouverai dans le final du chapitre sur l'action, qui fait écho à l'appel à la jeunesse de la seconde intempestive, de cet essai lui-même si juvénile. Cet écho, c'est l'évocation de la natalité. Ce ne sont pas seulement les affaires humaines au niveau de la pluralité, mais à leur niveau de vitalité que menace la mortalité. Et c'est à ce niveau pré-politique que se situe, je cite, le miracle qui sauve le monde, le règne des affaires humaines, le sauve de sa ruine normale, naturelle. Et elle a mis « naturel » entre guillemets. Ce miracle, c'est le fait de la natalité, dans lequel, je continue de citer, la faculté d'agir est ontologiquement enracinée. Eh bien, peu importe que Hannah Arendt se trompe en assignant à l'évangile le cri « un enfant nous est né », puisque ce cri est venu de son propre peuple, par la bouche d'Isaïe, peu importe. L'important, c'est que cette parole, d'une certaine façon inattendue, au terme d'une méditation sur la faiblesse de l'action, cette parole donc qui atteint l'action dans sa vitalité, et donc au niveau de sa mortalité, je dirais que cette parole, le miracle qui sauve le monde, le miracle, le règne des affaires humaines, de sa ruine normale, naturelle, c'est la natalité. Cette parole n'est plus adressée à Nietzsche, mais à Heidegger. Comme une réplique
pleine d'attente d'une réponse et d'un signe qui ne vint jamais, d'une réponse au thème mortifère de l'être pour la mort. Vitalité, natalité. Merci.